Et bien c'est dans cette petite épingle que nous allons commencer cette vidéo. Alors je suis avec Ducati France, ils m'ont fait venir donc dans les côtés de Paris pour pouvoir essayer deux modèles. Donc il y aura deux vidéos qui vont sortir. Ah là là, ça y est, là les petites courses sont sympas là. Là on valide. Alors je suis au guidon de la Street Fighter V4S. Alors j'avais pu tester la version donc Panigale avec mon poteau Maxwell. Oh là 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 là. Donc Maxwell avait pu me prêter la version Panigale V4S. Et bien là j'ai la version Roadster, la Street Fighter V4S. Et bah croyez-moi que la version Roadster est tout aussi débile, voire même plus que la Panigale, parce que la position de conduite vraiment fait que bah, on se sent hyper vite à l'aise, mais vraiment hyper vite à l'aise. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le sens où j'ai vraiment la comparée à la 1290 ou alors la Tuno 100, mais j'ai plus de retour sur la 1290 pour vraiment la comparer celle-là. Clairement, mon premier ressenti, là je suis en mode race, c'est-à-dire que là j'ai tout désactivé. J'ai l'anti-wheeling, j'ai le traction control, j'ai tout qui est à zéro, il me reste que l'ABS à l'avant, mais au niveau le plus faible, plus d'ABS à l'arrière non plus. Et cette moto, pour vous donner un petit peu les bails, on est sur du 208 chevaux, donc déjà il y a largement de quoi se faire plaisir, croyez-moi. Et c'est une moto très particulière dans le sens où, vous voyez, je suis à 1m90, on a des jambes quand même assez recroquevillées dans le sens où moi je sens quand même que j'ai les jambes un peu repliées. Par contre, le guidon qui est suffisamment large t'amène vers l'avant de la moto, vraiment à l'attaque. Les suspensions sont électroniques, là je suis réglé en mode dynamique, c'est-à-dire qu'en gros c'est un bout de bois. Toutes les aspérités de la route, je les ressens. Mais on peut bien entendu changer tout ça puisque la moto est full paramétrable dans tous les sens avec différents réglages. Des réglages préfaits et des réglages aussi qui sont manuels avec différents clics, on va dire virtuels, par rapport aux suspensions avant et arrière. Alors cette V4, elle est assez surprenante dans le sens où on a 126 Nm de couple, mais c'est une moto qui, les rapports sont interminables, vraiment interminables, dans le sens où quand tu vas rouler à 8000, tu vas te dire ça y est, t'es déjà en train de tirer, mais vous allez voir, regardez. Là tu te dis ça y est, ça tire. Et là tu te dis bon ça y est, tranquille, bah non, il y en a encore. Il y en a tout le temps. Tout le temps. C'est incroyable. Elle est pleine de vie. Ah c'est fou. Je ferai un tour à l'extérieur de la moto, ne vous inquiétez pas. Là vous voyez la route, elle est défoncée. Bah là je peux vous dire que le fessier et le dos, là il y a tout qui ramasse. Mais après j'ai choisi aussi en même temps le mode de conduite, hein. C'est moi qui l'ai choisi les gars. Alors l'amortisseur de direction, on va dire, sert quand vous allez mettre, on va dire, toutes les aides, dans le sens où l'avant ne doit pas décoller du sol. Chose qui est extrêmement dure avec bah, forcément ce moteur là. Ah, route barrée, bon alors vous voyez je fais un petit peu de ville là, enfin un petit peu de cross avec cette moto. J'ai l'impression qu'on part à la Panigale, elle a tendance vraiment à, on sent vraiment la chaleur monter, mais vraiment la chaleur monter de fou. On n'amène pas des Panigales et des V4S dans les cailloux nous. Mais encore un grand merci vraiment aussi au Garage des Vlogs qui ont organisé aussi bah, cette journée là avec Ducati France. Merci à eux de m'avoir invité. Alors, traction control désactivé dans des cailloux avec 208 chevaux, on est pas mal, on est pas mal. Alors la particularité de cette moto aussi, bah, c'est qu'on a un poids de quasiment, on va dire, 180 à vide. On est sur du 200 kg tout plein fait. Et bien, vraiment à basse vitesse en ville. Quand je vous explique, je vais vraiment la comparer moi à la 1290 qui est l'un de mes points de repère pour vraiment vous donner un œil, on va dire, d'habitué. Enfin, je suis pas un habitué, mais voilà, j'ai l'habitude avec la 1290, donc je peux vraiment la comparer à celle-ci parce que finalement c'est un peu, on va dire, l'une de ses concurrentes. On va dire qu'une fois la moto lancée à basse vitesse, la 12, je la sens plus agile. Par contre, la 1290 va tirer un peu plus fort à bas régime, mais le côté incroyable, du V4 de chez Ducati est tout simplement fabuleux, dans le sens où c'est une moto où tu te dis, vas-y, je suis en train de tirer tranquillement 9000 tours. Mais il faut savoir que c'est complètement fou, parce que après 10 000, mais après 10 000, l'envolée du V4 est tout simplement délirante. Elle est délirante, l'envolée du... C'est complètement fou. Et là, vous voyez, bah, tant mieux, là, on fait un peu de ville, c'est cool. Et vous voyez, là, en ville, là, je commence à sentir vraiment la chaleur entre les papates. Ça commence à... Ouais, ça colle, ouais. Le knacky est en train de chauffer. Je répète, le knacky est en train de chauffer. Clairement, quand tu veux faire du duo avec la V4, je pense que t'oublies. La selle à l'arrière ne m'a pas l'air d'être accueillante de fou. Et ayant essayé la Panigale V4S de Maxwell, qui avait donc une ligne d'échappement titane, bah clairement là, le pot d'origine à l'heure actuelle là suffit, mais largement, vraiment. C'est tout bonnement fou. Et là vous voyez, il y a The Husk qui est en train de tester la V4S, donc la version corsée que j'avais fait. Alors qui dit V4S, qui dit V4, qui dit Street Fight, qui dit voilà le bon gros moteur. Clairement en termes d'autonomie, n'allez pas chercher plus loin que 150, 160 km. Ça c'est clair et net. Vous voyez mon pote Maxwell qui lui tirait un petit peu dedans dans son V4. Il n'arrivait pas à dépasser vraiment les 110-120 km en termes d'autonomie. Alors, pour être vraiment honnête avec vous, les ailettes à l'avant, est-ce qu'elles servent à quelque chose? S'ils les ont mis, je pense. Mais, en tant que motard débutant, clairement, moi je vois pas d'utilité spécifique à ces ailerons-là. Mais je pense que quand tu es un pilote et que tu roules à des vitesses complètement déluré, je pense que ça a son efficacité. Mais en tant que roulage classique, je vois pas de différence notable par rapport à une 12 ou quelque chose comme ça. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi quelque chose, le shifter. Ayant fait quasiment 3045 km avec le shifter, donc de chez Yamaha, qui est une daube innommable, le shifter innommable, c'est fou. Pour moi, mes deux préférés à l'heure actuelle, c'est les shifters Ducat et le shifter KTM. Il se comporte quasiment pareil, il est très doux. Vous voyez, regardez, là je peux passer le rapport, le monter, c'est vraiment... Il n'y a pas de gros à-coups. Après là je suis en mode full race, donc là je suis en mode vraiment réponse des gaz le plus dingo possible. Et là vous voyez, je suis à 2000 tours minute, là en 2. Vous voyez, 2000 tours minute, je repars, ça part tout de suite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vibration dans les cale-pieds, il n'y a pas de vibration dans le moteur. Ça gratte un peu sous 3000, mais c'est largement soutenable comparé à certaines motos qui, elles, vraiment tapent et cognent très fort sous 3000. Alors, c'est pas dans cette vidéo-là, hein, où vous verrez des wheelings à gogo et des grosses vitesses de pointe, les gars. Mais sachez que oui, ça wheel très bien, c'est explosif. C'est dangereux, je dirais même. Pour ma part, moi, je trouve ça un peu dangereux, les wheelings avec cette moto-là. Il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop en puissance. En plus là cet après-midi là je vais tester donc la 850, la 950 RVE Hypermotard. Actuellement c'est Kikaninac qui l'a. Bah, devant avec la Multistrada, c'est Fabien de chez Ducati, adorable. C'est lui qui nous ouvre la route. Alors en termes d'options sur la moto, vous avez des poignées chauffantes mais pas de régulateur. Alors personnellement j'aurais préféré le régulateur aux poignées chauffantes. Si jamais tu viens à rouler, vous voyez là, tu mets le régulateur, tu touches à rien, c'est nickel, tu vois. La selle, quant à elle, est équivalente à un bout de bois. Elle n'est pas vraiment énormément confortable. Ça te met un coup de latte, mais un coup de latte à chaque changement de rapport quand t'es là-haut. C'est vraiment fou. Le truc qui est fou quand même, c'est de se dire que là, t'as un pot d'origine. J'ai l'impression d'avoir un échappement full tube tellement que ça fait du barou. Ce qui est marrant par contre, c'est que quand on est à son guidon, bah, quand on regarde devant, on voit quasiment pas la bulle, on voit que le compteur qui est posé là, on voit pas sa roue avant non plus. Elle est belle quand même la V4S comme ça, hein. C'est super beau, hein. Donc là il y a The Husk qui est sur la petite Panigale V4S. Et croyez-moi que là on a deux motos mais complètement folles. Donc les petites ailettes devant, vous voyez, moi j'en ai deux. Moi j'en ai deux à l'avant, lui il en a qu'une seule. Donc la différence entre la V4 et la V4S, que ce soit chez la Panigale ou le Roadster, c'est qu'en gros, ça va être surtout en termes de suspension. C'est-à-dire que là je suis sur du Öhlins, on est sur du milieu de gamme, donc on aura des meilleures suspensions avant-arrière. Voilà, il n'y a pas de différence, on va dire, moteur, châssis ou autre. On a tous les deux des freins Stylema de Brembo qui sont complètement fous, mais complètement fous. Le feeling est incroyable. T'as même pas besoin de freiner à une main complète, un doigt suffit et tu arrêtes la belle. Mais c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir de savoir que Ducati m'a invité pour tester les modèles, parce que j'avais encore jamais fait de, on va dire voilà, de déplacement avec cette marque là, et c'est vraiment une marque au top, le feeling se passe très bien, ils sont hyper cool, tout s'est très bien passé. Et vous voyez, dès qu'une petite courbe se profile, tu rattrapes très vite, mais tout le monde, mais vraiment tout le monde. Vous entendez un peu le régime moteur, il est dingue, hein. Oh, par contre ce qui me bluffe vraiment, moi, c'est l'accélération, mais c'est aussi surtout le freinage de la moto. Tu sens qu'elle en veut, hein. Tu sens qu'elle en veut, mais énervée, hein. Alors ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est dans le sens où moi je suis, c'est-à-dire que là j'ai aucune aide d'activer, donc faut pas être méga fort dans les tours, sinon eh ben, c'est pas bon du tout, parce que tu peux avoir le high side qui arrive très vite, donc vaut mieux être avec un rapport un peu plus haut, histoire d'être en sous-régime, pour éviter d'avoir... Elle en veut, hein, c'est ouf. Elle te donne un feeling incroyable, dans le sens où quand tu vas chercher de la courbe, tu te sens hyper bien, mais vraiment tout de suite, hyper bien à son guidon. Tu as vraiment l'impression de conduire un rail, c'est incroyable. Tu ressens, comment c'est ça, le phénomène que j'ai vraiment en roulant avec celle-là, c'est, j'ai l'impression de ressentir la route. C'est bizarre, hein, mais tu te dis que tout passe tout, et tout passe tout très fort. C'est ça le problème. C'est que, oh, validation de la petite BMW. C'est vraiment fou, tout passe tout très fort. Vous voyez, par contre, une fois que la moto est lancée, bon, moi mes 100 kg d'OVD, tu vois, mais faire des évitements de, vous voyez, genre là la bouche d'égout, je veux l'éviter, ça s'évite sans aucun problème. On va dire, j'ai l'impression que le centre de gravité est assez bas, on va dire. Bon, après les suspensions, tu peux les mettre en mode normal, hein, en mode beaucoup plus mou, beaucoup plus agréable, pour vraiment lisser la chaussée. Ah, d'ailleurs, j'ai une petite question. Marquez-moi en commentaire, les gars. Marquez-moi en commentaire, vous êtes pour ou vous êtes contre les deux ailettes, les quatre ailettes qui sont à l'avant. Dites-moi si vous êtes pour ou vous êtes contre. Moi, perso, je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Ok, stop les gars, j'ai mis pause un peu dans la vidéo, il y a un moment, il va falloir qu'on discute un petit peu de la moto. Donc au lieu de faire que du roulage, on fait petite pause, donc prends ton petit ici, pose-toi, on va discuter un petit peu du monstre que je suis en train de piloter depuis le début de la vidéo. Donc voici la bête que je conduis depuis tout à l'heure. Elle est magnifique. Pour moi, vraiment, Ducati, comme j'expliquais, c'est vraiment un design qui est vraiment hyper beau. Alors l'avant va peut-être vous faire penser un petit peu aux avants des Z1000R, un petit peu une face avant, un petit peu en avant. Par contre, je trouve l'avant beaucoup plus joli sur celui-là, sachant qu'en plus de ça, juste ici, vous voyez là, juste ici, si je viens mettre le contact, ça vient s'éclairer en LED blanc. Très joli. Donc, moi, il faut savoir les gars que je conduis actuellement la version V4S. Vous avez le petit S qui est ici. Donc concrètement, qu'est-ce qui va changer d'une V4 à une V4S? Les jantes en marché, plus suspension Öhlins, qui sont suspensions électroniques réglables. Qu'est-ce qui choque la première vue dès qu'on voit cette moto-là? C'est forcément les ailettes qui sont ici. Alors, les ailettes que vous avez là, en gros, quand vous allez la conduire, il faut savoir qu'à 50 km/h, vous avez 1 kg de pression au niveau des ailettes pour vraiment plaquer la moto. Et apparemment, bon, je suis pas allé jusque là, mais apparemment à 270 km/h sur cette moto là, lorsque les ailettes forcément fonctionnent encore plus, plus la vitesse augmente, plus il y a de la pression sur les ailettes, apparemment on a une pression de 30 kg sur l'avant, ce qui est quand même assez bluffant d'avoir 30 kg de pression sur l'avant pour vraiment maintenir l'avant au sol. Mais concrètement, dites-vous quelque chose, hein, ce moteur là est complètement dégénéré. Moi je la roule depuis tout à l'heure en mode race, c'est-à-dire que j'ai tout désactivé, l'anti-wheeling, le frein à moteur, l'anti-patinage, il reste plus que l'ABS au mode le plus petit et le shifter up-down. L'ABS arrière est désactivé. Sachez que lorsque vous allez conduire cette V4S, vous allez passer régulièrement à la pompe. On est sur un moteur qui consomme relativement beaucoup, on n'a que 16 litres de réservoir, comptez grand maximum 150 km, voire 160, allez vraiment 200 si vraiment vous êtes vraiment, alors vraiment safe sur les gaz. Mais là concrètement, je viens de cramer le plein en roulant mi-safe, mi-petite accélération, on est à 160 km d'autonomie. Bras oscillant magnifique avec les jantes marchées qui sont très jolies, très bien finies. Le frein arrière quant à lui, comme j'expliquais, vraiment le frein arrière, l'ABS se déclenche assez tard, on sent quand même qu'on a le freinage qui se passe, on a un ressenti par rapport au freinage. Donc je pense que clairement la selle en duo, on oublie déjà qu'on est sur un bout de bois par rapport au confort. Je pense que quand tu mets un passager, au vu de la hauteur des calepieds, c'est un peu moyen. Qu'est-ce qui va freiner cette bête? Alors premièrement, quand on vient voir les disques avant, on est sur du Brembo Stylema, donc en fait en gros c'est des M50 en mieux, avec un freinage qui est insane. J'utilise vraiment qu'un seul doigt pour freiner la bête. La bête fait quand même 200 kg tout plein fait, donc ce qui n'est pas négligeable. Avec moi dessus, on monte à plus de 320 kg chargé, hein. Et ça te freine extrêmement bien la moto. Les pneus qui sont montés dessus, on est en Rosso Corsa 2. Le feeling est très bon, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Ce qui est marrant, vous voyez, c'est que quand on voit cette bulle un petit peu plongeante avec le compteur ici qui ressort devant, au niveau de l'avant, quand on conduit, en fait, on voit pas les feux à l'avant. On voit vraiment que le bloc compteur classique ici. Donc les suspensions, comme vous pouvez voir ici, qui sont électroniques. Donc là vous avez des câbles ici, des câbles ici. Donc il y a vraiment l'avantage avec ce type de moto là, c'est que vous pouvez vraiment absolument tout paramétrer vos suspensions. Bon, moi je l'ai mis en mode vraiment dynamique, c'est-à-dire que là on est vraiment sur un bout de bois. Dès que la route commence à devenir cabossée, clairement on ressent toute la route. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour rouler vraiment tout le temps avec. C'est vrai que ça te latte un peu les fesses et les poignets. La portière de direction, quand la moto est au sol, fait son boulot. Là on a vraiment une efficacité au top. Alors le système ram mount qui est ici, hein, bien entendu, n'est pas d'origine dessus. Ça a été rajouté pour mettre le téléphone pendant le road trip. Quand on vient mettre le contact, donc le contact, en gros toutes les personnes qui ont vu la V4S, et ben finalement c'est exactement le même compteur. Donc on a un système ici, donc de warning, les feux automatiques, là les 4 modes pour pouvoir rentrer dans l'ordinateur de bord, clignotant, le coupe-circuit, poignée chauffante ici, pas de régulateur. Donc là quand on rentre dedans, c'est simple, hop, setting menu, voilà. Vous avez riding mode, vous avez 3 modes de conduite, vous avez street, sport, race. Sachez que chaque mode est complètement paramétrable de A à Z. Le traction control, le DWC, le DSC, etc. En fait, en gros, pour éviter de vous perdre un petit peu dans cette multitude d'informations, en gros, tout est paramétrable sur cette moto. Et les informations sont notées en bas à droite. Vous voyez, en bas à droite, c'est noté DSC off, DWC off, etc. Pour les personnes qui ne comprennent pas en fait ce que c'est comme nom, c'est les noms pour vous donner entre guillemets le traction control, l'anti-wheeling. Vous pouvez aussi gérer votre frein moteur sur différents niveaux. Vous pouvez gérer aussi votre ABS. Vous pouvez vraiment gérer absolument tout. La cartographie moteur, vous pouvez la changer aussi. Vous avez la possibilité vraiment de faire tout ce que vous voulez. Ensuite, quand on retourne encore au compteur, donc vous avez la vitesse à gauche, le contour qui va donc de 1 jusqu'à 2000 tours, jusqu'à 14 500, 15 000. Clairement, la moto déjà commence à t'arracher les bras à partir de 8 000. Si tu as vraiment l'écran, tu dépasses à 10 000. Et là, de 10 000 jusqu'à 14, tu as vraiment intérêt à t'accrocher au guidon. Mais genre vraiment. Je trouve cette coque arrière magnifique. La coque arrière reprend la forme finalement de la Panigale, avec vraiment les 2 entrées d'air ici qui rentrent parfaitement bien. Vraiment, c'est très joli, vraiment très joli. Et forcément, bah, le V4 que vous avez ici respire énormément et dégage beaucoup de chaleur. On ne reçoit pas vraiment de chaleur au niveau de l'échappement ici, on en reçoit vraiment plus au niveau vraiment du moteur en lui-même. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je faisais de la ville avec. Ce qui choque aussi peut-être un petit peu, il y a deux poids deux mesures. C'est soit les gens ils n'aiment pas les ailettes, soit les gens n'aiment pas la taille du radiateur, du grand radiateur qu'il faut pour forcément refroidir et mettre en bon ordre de marche toute cette bécane. Le shifter de cette moto, une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Vraiment, le feeling est très bon. Il n'y a pas de secousse quand on monte ou quand on descend les rapports à basse vitesse ou gaz coupé, comparé au shifter de Yamaha qui est une calamité, je trouve. Par contre, là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Je vais vous la démarrer un petit peu. Là, on est sur un pot d'origine. Vous avez une sortie au niveau de la droite, en dessous. Vous allez avoir une autre sortie sur l'autre côté là-bas. Alors les gars, il faut savoir que sur cette Street Fighter V4, pourquoi j'ai pris la V4S et pas la V4? Tout simplement par rapport aux suspensions. Parce que je voulais vraiment des suspensions qui soient efficaces. Moi je suis gros, hein, donc les suspensions je les mets très vite en PLS. L'avantage c'est qu'elles sont électroniques, donc c'est un réglage instantané. Quand tu actives, bam, il n'y a pas besoin de molette ou autre. Ça se fait sans problème. Et je trouve que la V4, bah, le problème voilà, c'est que ça me posait un petit problème en termes de suspension. Je préférais vraiment prendre la V4S. Et la Kika avec la petite RVE, très jolie. Je la teste cet après-midi, moi, celle-là. Derrière moi, vous voyez, là, derrière moi, j'ai la... Là, c'est la version V4 classique. Vous voyez, les suspensions avant sont noires. C'est suspension non réglable. Là, j'ai vraiment du Öhlins full réglable électronique. Là, on a la petite Diavel. Là, on a la Multistrada. On a la Monster 1200, pardon. Il y a un peu de tout. Là, vous voyez, là, clairement, là, je sens un barbecue entre les jambes. J'avais pas cette impression de chaleur là avec la Panigale. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des carénages qui justement permettent, on va dire, de diffuser la chaleur, pas au niveau des jambes? Parce que là, clairement, j'ai le cuir qui sue. Elle a la classe, la RVE. J'ai bien hâte aussi de l'essayer, celle-là. Oh. Oh, j'ai bien hâte. Oh, la petite glisse. Oh, c'est génial ça, putain, c'est génial. Il arrive, bah putain, mais j'ai hâte. Celle-ci, elle a l'air d'être un jouet, celle-là, à faire. Franchement, celle-là d'être un jouet. Je suis en train d'y penser, tiens, en commentaire, les gars. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, chez Ducati? Plutôt Multistrada, plutôt l'Hypermotard, plutôt la V4S Street Fighter, la version Panigale, plutôt de la Monster, plutôt de la Scrambler. Qu'est-ce que vous kiffez? C'est quand même majestueux, hein, une Panigale. Hein. Bon, la Street Fight aussi. Hein. Et les courbes Ducati, il n'y a rien à dire. C'est pour moi les plus belles... Alors concrètement, si jamais vous hésitez entre une Street Fighter normale V4 ou V4S, moi je pense que faudrait, pour rajouter le petit bout en plus pour avoir le Öhlins, parce que c'est non négligeable dans le sens où tu as quand même les suspensions électroniques réglables un peu dans tous les sens, et ça t'apporte vraiment un agrément de conduite et une efficacité en courbe qui, je pense, n'est pas négligeable quand tu arrives de toute façon à un prix aussi élevé. Je crois que c'est 20 000 balles, je crois, la V4. Je crois que tu as 23 000 à peu près, je crois, pour la version V4S. Mais clairement, je veux dire par là, à ce tarif-là, t'es plus trop à ça près, tu vois. Et ça rapporte vraiment un agrément de conduite indéniable. C'est absolument pas un kangourou. Le feeling est vraiment top. Après, le frein arrière, ce que je trouve bien, c'est que l'ABS se déclenche très très tard sur le frein arrière. Donc ça te permet quand même d'avoir un bon feeling, un bon ressenti, ça te freine quand même la moto. C'est pas transcendant, mais ça te la freine. Elle t'extirpe des courbes. C'est une catapulte. C'est une catapulte. Oh, aïe 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 aïe. Spéciale dédicace à toi, Ange. C'est beau. Que demande le peuple? De la Ducat, du beau château, des routes en pavé. Ça secoue un peu. Et il est magnifique, le château, hein. Vraiment très joli. Donc là, vous voyez actuellement, là, rouler avec des routes en pavé, avec les suspensions dynamiques en mode je ressens absolument tout. Crois-moi que là j'ai le popotin actuellement in fire. C'était pour moi vraiment une moto que je voulais essayer, la Street Fight. C'est clair et net qu'elle fait partie de mon top 3 des gros roadsters sportifs. Je viendrais même la mettre en top 1. Je la mettrais au pied d'égalité avec la 1290 en termes de sensations. Et c'est vraiment, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment top, cette bécane. Vraiment, allez l'essayer, les gars. Parce que là, il y a quelque chose de fou, là. En tout cas, je vais aller la rendre. Prochaine vidéo, les gars, ça sera sur la RVE Hypermotard. Un grand merci à Ducati France. Un grand merci au Garage des Vlogs d'avoir organisé ça. Merci à vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao, ciao.